this temple, Jesus said, and I will rebuild it in 3 days. Yes, he was showing none is greater than him when it comes. Esaïe 61. Le Seigneur m'a oint pour donner des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, pour publier l'année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. L'onction suprême, sa plénitude, c'est au temps de la fin. Dans sa première venue, il n'était venu que pour publier une année de grâce. Le jour de vengeance, c'est au temps de la fin. Aujourd'hui, nous avons le message du temps de la fin. La scène de la synagogue s'est répétée aujourd'hui à Jeffersonville avec cet homme de Kentucky. Moi je sais, l'onction suprême, sa plénitude, c'est au temps de la fin. Shalom bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur votre émission Conviction. En ce jour, nous sommes très heureux de vous présenter notre bien-aimé frère Robert Ndaye. Shalom frère Robert. Shalom mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Frère Robert, nous voyons que quand on lit, on voit l'album, on voit Robert Ndaye fils. Pourquoi fils? Fils, c'est parce que je porte le même prénom que mon père. Donc pour différencier, faire en sorte qu'on sache de qui il s'agit. Voilà pourquoi j'ai mis fils à la fin, afin que ça fasse la différence. Voilà pourquoi c'est fils. Frère, vous sortez votre premier album à 18 ans. Pourquoi vous lancez dans la musique si tôt? Je me suis lancé dans la musique si tôt parce que c'est la musique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est une passion. Voilà pourquoi dès que j'ai eu la possibilité de sortir cet album, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà pourquoi j'ai sorti cet album si tôt. Frère, c'est que « Exauce-moi », c'est le titre phare de l'œuvre qui parle déjà d'elle-même. Qu'est-ce que vous demandez à votre Dieu? La chanson, ce que je demande à Dieu, c'est qu'il m'aide à le servir convenablement et à rester droit dans sa parole, à rester un modèle, un enfant de Dieu humble, à rester humble malgré les hauts et les bas, les vents et marées, que je sois un enfant de Dieu correct et que je sois un modèle pour les enfants de Dieu. Pour ceux qui me regardent, que je sois, voilà pourquoi c'est ça ma prière, que je ne sois pas une pierre d'achoppement, mais une personne, quand les gens me voient, ils disent que voilà, un serviteur de Dieu, que je puisse avoir donné un bon témoignage partout, quoi. Et Dieu vous a-t-il exaucé, votre demande? Oui, il m'a exaucé, oui. Frère Robert, exauce-moi, n'est-il pas un peu une manière un peu égoïste? Pourquoi pas exauce-nous? Non, ce n'est pas une manière égoïste, c'est exauce-moi parce que c'est vrai qu'il est dit de prier pour les uns pour les autres, c'est vrai, mais ça n'exclut pas le fait de prier aussi pour soi-même. Donc, si on a des besoins, on prie. Donc voilà pourquoi c'était un besoin ardent que j'avais. C'était quelque chose d'une prière primordiale. Voilà pourquoi je l'ai chanté dans cette chanson. Donc ce n'est pas une manière égoïste, c'était ma prière en fait. Donc voilà pourquoi j'ai dit exauce-moi, mais ce n'était pas de manière égoïste, non pas du tout. Frère Robert, nous voyons que vos parents chantent déjà et nous nous demandons pourquoi vous aussi vous vous lancez dans la musique. Pourquoi seulement la musique? N'y a-t-il pas quelque chose d'autre que cela?
lancer dans la musique parce que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pourquoi j'aime beaucoup? Parce que c'est déjà, c'est un don qui est dans la famille. Tout le monde aime chanter, tout le monde chante dans la famille. Et c'est un deuxième exemple, c'est le prophète, par exemple, il avait donné un témoignage, une histoire, je dirais, sur un père qui avait trois enfants, trois garçons, et ces trois enfants-là, lorsqu'il est arrivé le temps de quitter la maison, ils partaient voir leur père pour dire qu'ils voulaient devenir marin. Le premier partait, il disait « je vais être marin ». Quelques temps après, le deuxième part, il veut être marin, ainsi de suite. Le père s'est demandé « mais comment est-ce que mes enfants veulent devenir tous marins alors que moi, je ne suis pas marin de base ?» C'est là qu'en rentrant dans leur chambre, il a vu le tableau qui avait dessiné le bateau ainsi que des marins et la mer. C'est là qu'il a vu que c'était à cause de ce tableau que les enfants avaient été influencés. Donc, ils sont devenus ce qu'ils ont regardé. C'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, à force de voir mes parents depuis tout petit chanter tout depuis tout petit à l'église, à la maison, en passe-temps, c'était chanter. Donc, j'ai fini par... c'était dans les gènes, quoi. Donc, c'était quelque chose que... J'ai aussi, c'est une voix que j'ai prise aussi automatiquement. Frère Robert, dans la chanson Exauce-moi, vous dites, je cite, Seigneur, je veux être comme Billy Paul à côté de son père. Bon, qu'est-ce qui vous a marqué si fort dans la vie de Billy Paul? Ce qui m'a marqué si fort dans la vie de Billy Paul, c'était que d'une, Billy Paul était toujours avec son père et il a vu les miracles que Dieu faisait à travers son père. Il le soutenait, il était toujours avec lui. C'est ce qui m'a marqué, en fait, c'est ce qui m'a touché. J'ai vu que pourquoi moi aussi, je me suis dit pourquoi pas moi aussi je peux aider mon père à le servir, à servir Dieu, à servir à ses côtés, quoi. Donc voilà pourquoi c'était comme une référence. Voilà pourquoi j'ai dit comme Billy Paul, c'est une référence. Je crois que c'est le désir de tout enfant de Dieu de servir Dieu à côté de leur pasteur. Aussi pour les enfants des pasteurs, de servir Dieu à côté de leur père, ça serait quelque chose de vraiment bien. Frère Robert, est-ce que vous pensez que votre papa vous accordera aussi une telle grande confiance que le prophète William Branham l'a accordé vers son fils Billy Paul? La confiance, vous savez, la confiance, c'est quelque chose qui se mérite. Donc, ça dépend des prestations que tu donnes. C'est là qu'on peut te faire confiance. Donc, après, c'est quelque chose qui viendra, qui va venir, ou bien qui est déjà venu, qui sait. Mais sinon, voilà, quoi. Donc, ça ne vient pas du jour au lendemain, la confiance. C'est à partir des efforts fournis que la confiance vient. Voilà. Frère Robert, nous avons encore une question. C'est que c'est sur votre chanson Le Mariage. Bon, nous ne comprenons pas. Quand vous avez enregistré cette chanson, assurément vous avez eu 17 ans quand vous êtes rentré au studio. Et quand elle est sortie là, vous avez eu vos 18 ans, c'est ce que vous venez de nous dire. Alors, comment est venue cette inspiration Le Mariage? Et pourquoi le mariage? Tandis que vous êtes encore célibataire, vous êtes encore marié. Déjà, ça répond déjà au premier doute que vous avez. Donc, preuve que mon album n'est pas trop égoïste. C'est pas quelque chose d'égoïste parce que c'est pour ce que j'ai chanté, c'est une inspiration. Et c'est dédié à d'autres personnes, en fait. C'est pour ceux qui sont. J'ai pensé, en chantant cette chanson, j'ai pensé aux personnes qui sont en couple, qui sont peut-être dans des difficultés dans leur couple. En écoutant cette chanson-là, ils peuvent être aidés, ils peuvent se relever, devenir plus forts qu'avant. Voilà pourquoi j'ai chanté cette chanson et puis c'était une inspiration. Déjà, c'est quelque chose d'être connu déjà, même si tu es célibataire, tu dois connaître ça parce que plus tard, comme le prophète dit, tout homme normal doit se marier. Un jour viendra, je ne sais pas où je vais me marier et je devrais connaître tout ce que j'ai chanté là. Je devrais savoir le vivre. Voilà pourquoi j'ai chanté cette chanson. Donc, au fait, cette chanson, c'est un conseil aussi pour les célibataires. Exactement. Donc, et frère Robert, pouvez-vous nous chanter un cantique? Oui, pourquoi pas. Parole, elle te rend invincible.
démon qui était dans cet homme. Ils demandèrent à Jésus d'aller dans le troupeau de porcs. Il leur accorda selon leur désir, accorda selon leur désir la prière, 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 la prière. À combien pour forte raison, toi mon frère bien-aimé, qui a cru ce message, qu'est-ce que Dieu peut te refuser? C'est à toi d'appliquer la foi pour voir les œuvres rendues manifestes. Ne laissez aucun brin de doute, ne laissez aucun brin de doute, ne laissez aucun brin de doute. La prière, 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 la prière. Amen, amen, amen. Une très bonne inspiration, les enfants de Dieu, vous l'avez senti, la prière. Frère Robert, encore une autre question. Sentez-vous un appel au ministère, la prédication? Non, non, pour le moment, franchement, je ne sens rien du tout, je ne sens rien, donc après on ne sait pas l'avenir, mais je ne sens rien du tout pour un appel au ministère, non. Mais, comment faites-vous pour combiner la musique et les études? En fait, comment je fais, c'est très simple. Le week-end, comme je ne suis pas en cours, je ne vais pas à l'école le week-end, donc j'utilise ce temps pour jouer la musique, c'est mon passe-temps en fait. Et dans la semaine, je travaille, je vais à l'école. Donc, c'est dans la semaine que je travaille, je me consacre sur mes études. Et le week-end, on va dire, le samedi matin, je révise, je travaille. Après-midi, c'est là que, dimanche, c'est là que je peux mettre dans la musique. C'est comme ça que je fais pendant les vacances de deux semaines, ou les grandes vacances, comme cet album, je l'ai sorti pendant les grandes vacances. C'est un moment où j'ai le temps pour la musique, c'est là que j'ai pu faire cet album. Donc c'est pendant les vacances que je prends plus de temps à la musique, et pendant les moments des études, là, je suis off de ce côté-là et je suis actif du côté des études. Frère Robert, là nous tournons vers la fin. Encore une question, que pensez-vous de Gospel Cross? Gospel Cross, je pense que c'est une très bonne œuvre qui est en train d'aider les enfants de Dieu. Parce que, en ce moment, les gens, quand ils vont sur Internet, c'est pour regarder des mauvaises choses. Mais là, on a une occasion de regarder, d'être édifié par des témoignages, par des sermons, par des expériences des serviteurs de Dieu. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Et donc, au lieu d'aller regarder autre chose, de faire autre chose sur Internet, on a une manière, au moins, de savoir comment, d'être béni par la parole, par des témoignages. Donc, c'est vraiment une très bonne chose. Et qu'il puisse aller de l'avant, que ça puisse continuer comme ça. C'est une très bonne chose. Et votre mot de la fin? Bon, mon mot de la fin, je demanderai... je dis d'abord merci à mes parents. Je dirai merci à mon église, mon pasteur. Et aussi, je demanderai à tous les bien-aimés frères et sœurs dans les quatre coins du monde de prier pour moi. Et que je sois toujours... la tête, que je puisse toujours être un bon témoignage pour chaque enfant de Dieu. Voilà, c'est ça que je demanderais, que vous puissiez toujours prier pour moi afin que je sois un modèle partout où je passe. Donc là, nos bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Et de notre côté, nous étions très heureux de recevoir le frère Robert Ndaye fils. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Shalom. Je te demande une chose.
chose, c'est de vivre ta parole jusqu'à la fin de ma vie.